Ouais, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je sais que t'as dit une saloperie, même si je l'ai pas entendu. Mais même dans une bataille, alors les gars, ils n'entendaient rien. Ils n'entendaient pas les ordres, en fait. Bah alors, il y avait certainement une ou deux personnes de chaque côté de lui, de sa même famille ou de la même armée, qui devait guider ou protéger. De la marche chaud, hein. Alors, je déclare mon verre. Bien sûr qu'il y avait du bleu blanc rouge animé. Il y en avait, mais ils n'étaient pas tous ensemble. C'est ça, ils avaient donné à la voix. Merci. Bravo. Bravo. Ça y est, super. Trop tard. Ah, il y a un ange blond là. Un ange blond. Pousse-toi l'ange blond. Encore une photo. Ah, bravo. Madame la présidente. Venez avec nous pour la photo. Il y a un téléphone. Oh, ouais, un peu de l'armure, hein. Et puis moi je vais abuser, je vais vous donner mon téléphone pour que vous puissiez me faire une photo aussi pour moi. Ah ben bah, voilà. Là-bas. Dans leur milieu naturel, une vingtaine d'années. Mais en bonne condition d'élevage, on peut espérer, je vais pas dire le double, mais presque. 35, il y a eu des records à 35, 37 ans. Voilà. Donc la captivité, comme on dit, moi j'aime pas le mot captive, mais la captivité, ça sert aussi à ce que l'animal dure beaucoup plus longtemps. D'accord, il a perdu ses... Comment dire, son mode de vie naturel, mais il en a acquis un autre, qui est pas forcément plus désagréable. Mais c'est pas ma belle-ombre, par contre. Des fois, elle est pas commode. C'est une femme, hein. Alors, au Moyen-Âge, on peut se permettre. Elle est méchante. Non. On peut pas la toucher. Vous pouvez la regarder de près, mais on laisse pas toucher. Oui, bien sûr. Sinon, tout le monde veut toucher, tout ça. Moi, je peux. Voilà. Moi, je peux me permettre. Ça me fait penser un petit peu à ça. Bon, bah, on va faire notre petit tour. Allez. Il y a celui qui est parti. Il y a d'autres qui sont venus. Je peux monter jusqu'au parc.
parking en régulière. Ah oui, en plus c'est cool aussi. C'est bon du chauchichon. Du cuir. Allez, le chien. Ça va, je te fais pas trop peur. Oui, ah bah ça va arriver. Je pense pas aujourd'hui, plutôt demain. Ouais, c'était prévu comme ça. Ouais, mais on peut pas trop savoir. Alors voilà, on attend. Ma fille, elle avait à peu près le même hein, avant. Ouais, on en avait fait un soi-même, elle-même. Mais pas aussi beau que ça. J'ai vu celle-là aussi. Hein. Et celle-là aussi. Ah non, non. Oui. Ah, la dame blanche. On m'a fait si peur il y a 2 ans. Et elle est toujours là. J'espère que vous avez vu la vidéo sur internet. Ah bah oui. Ah oui, ah ouais, c'est vrai, vous avez mis des messages, c'est vrai. On voit les coulisses là ce matin. Ça. Les coulisses. C'est un bonbon maladroit. Ah ouais, mais tu me donnes quand même la main. Ah c'est vrai. Et en vrai, il y a un bonbon en bas, mais... C'est pas de la pomme, c'est de la menthe. White woman. Ouais, ça se voit pas de façon, ça se voit pas. S'il y en a sur Arlette, quelqu'un, ça Là-bas. Joli, très joli. C'est clair. Il n'y a pas beaucoup de poils sur la tête. On met... Bon, je voulais prendre la charrette, on met les morts. On déambule, prend tes balles dans les mains au cas où. Voilà. On va pas le laisser mourir, petit bonhomme. Ah ouais. Il mange quoi là, du sable? Ben non, c'est des granulés de canard que je mouille. Ah parce ouais. Il est trop jeune encore. Donc il mange de ça et puis de l'herbe. Et toi, tu ne manges pas, toi, le loir, non plus. Ça n'intéresse pas. Oui. On ne le laisserait pas tout seul quand même. Ouais, c'est bien. Non. Alors, allez, il ne sauve pas. C'est lourd quand même.
Là-bas, j'ai filmé des femmes qui faisaient la vaisselle et ils n'ont pas voulu. Ils disent non, non, c'est... Pourtant, à l'époque médiévale, je crois que ça se faisait beaucoup. Peut-être un peu moins maintenant, mais... Oui, comme les hommes qui font la cuisine, ça se faisait beaucoup. Ouais, alors là, je filme. Là, c'est positif. Là. Là-bas, c'était considéré négatif. Pour dire, vous voyez, il y a des hommes qui font la cuisine. Vous seriez vu plus tôt, vous m'auriez vu faire la vaisselle. Ah, bah voilà! C'est la sauce du poisson, ça. Une soupe de poisson? Ouais. La sauce du poisson. Ah, la sauce de votre poisson! En tout cas, ça sent bon, c'est vrai. Je commence à avoir faim, moi. Tu fais la vaisselle à l'eau froide, toi? Je l'ai déjà fait, oui. Je l'ai déjà fait, hein. Bah, quand on n'a pas trop, il y en a qui n'ont pas le chaud. C'est comme ceci qu'on était habillés pour se démarquer du restant de la population. Comme ça, la population savait qu'ils avaient affaire à un pèlerin et non pas à un vagabond. Ce qui permettait qu'ils puissent avoir le gîte et le couvert et protection. Ça permettait aussi de voyager léger, hein, puisque ayant le gîte et le couvert, on en a oui. Peu de matériel. C'est sûr. Quasiment rien, puisque hein, tout est là, puisque le matin, même la cuillère. Avant de s'en aller de la maison, on remplissait les gourdes, ouais, ouais. On donnait de quoi manger le midi, et le soir suivant, hein, on faisait notre marche. Attends, ça dépend où on est. Si c'est dans la Beauce, on pouvait faire jusqu'à 40 km, voire plus, mais si on est dans les Pyrénées, on en faisait beaucoup moins. Ah bah ça, c'est sûr. Super, C'est sûr, c'est bien. Pour trouver les villages, c'était relativement simple au XIIIe siècle parce que la cloche du village servait de point de repère. Si vous voulez, la cloche du village, à partir d'une certaine heure, elle sonnait. Hein, ce qui permettait aux gens qui étaient sur le chemin de Compostelle de trouver le village. Et quand la cloche sonnait comme ceci, hein, comme repère, c'est que là, il y avait des personnes qui l'ouvraient les portes. De toute façon, à cette époque-là, la religion est omniprésente, hein, vous ne pouvez pas y couper. Si vous n'étiez pas dans la religion, c'est vous tourmentez un peu. Ouais. Et on vous explique que pour aller au paradis, hein, et non pas en enfer, il faut pratiquer le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. C'est pour ça qu'une bonne partie de la population est concernée. Et si on me reçoit le soir, c'est pas pour me faire l'aumône, c'est un échange. Parce que vous, peut-être, vous avez déjà effectué votre pèlerinage, vous avez été accueilli, donc ce soir, vous m'accueillez. Ou vous avez là l'intention de le faire par la suite, et vous, comme vous allez aimer être reçu, vous allez me recevoir. C'était un échange. C'est comme ceci qu'on a pratiqué pendant un moment. Je ferai toujours mes devoirs. Je ferai toujours ma toilette. Déjà, ça baisse en intensité et on n'est pas fini. Je ferai toujours mon lit. Attaque-le hein, quand même un petit peu. Hein. Il y a d'autres qui attendent derrière. Ah bah ouais, voilà, deux points. Encore une touche. Ah, touche à la tête. Ah, une touche au ventre. Stop. Combattant suivant. T'es prêt? Tu vas te bouffer, hein. Tu vas te bouffer. Prêt? Hey, là,
Si par malheur celui-ci échoue cette épreuve, il devra immanquablement, irrémédiablement, subir le supplice du servant. Oh. Non, non, vrai. C'est un albinos. Quel est albinos? Oh la vache. Mais c'est lourd, hein? C'est lourd. Hein. C'est pas. C'est, ça mord, ça pique pas, mais c'est très lourd. C'est ça. C'est froid. Mais oui, bonnes gens! C'est un véritable serpent, il s'appelle Tao. C'est un python molure. Molurus bivitatus. Et ça pique. Il s'appelle Tao, il mesure 4 mètres. D'ailleurs, Tao vient de finir une mue. Il est en train de faire sa mue, là, il a quasiment fini. Regardez, un petit morceau de peau, là, plutôt moulure. Voilà. À votre avis, pourquoi elle est de couleur jaune? Ah, parce que c'est un chinois. Il n'est pas rassuré. Quel paysan, bûcheron ou autre, avait une hache chez lui. Que ce soit pour fendre du bois, ou pour couper un arbre, ou pour faire, bon, je ne sais pas ce qu'ils faisaient c'est avec. Ce qui, hein. C'est ce qui coûtait en fait le moins cher, parce que la seule voilà. chose qu'ils avaient à payer, techniquement, en c'était peut-être le fer du hache. Donc on parle d'une épée, ça coûtait beaucoup moins cher. Donc ouais, du coup, voilà, c'est vraiment une arme que déjà tout le monde avait chez soi. Et donc partir au combat avec une hache n'était pas du tout aberrant quoi. Si on était pauvre, c'était, c'était clairement l'arme qu'il fallait prendre parce que ça coûtait rien. Voilà. Donc ensuite ça c'est des haches barbues. Donc je vous fais une petite démonstration, je vous prends à partie. Tenez le bouclier. Je vais pas le tuer, vous en faites pas. Donc, mettez-vous bien face à moi, bouclier presque collé contre vous. A votre avis, à quoi sert cette forme-là? Voilà. Hop. Et après, je vais vous attaquer. Donc, du coup, c'est une arme qui permet quand même d'ouvrir la défense ennemie. Donc, vraiment derrière, de hop, directement retaper, réattaquer. C'est pas mal quand même. Donc, l'épée, c'est vraiment une épée viking. Hein. C'est pas une épée qui est forcément longue, c'est une épée à une main. Donc, voilà. En général, la lame est assez souple. Celle-ci, elle l'est particulièrement. C'est parce que c'est de l'acier trempé, forgé, tout ça, donc ça résiste super bien en combat. Ça pèse pas très très lourd, mais à la fin d'un combat, on commence à la sentir. Alors, on ne touche pas trop à la lame, s'il vous plaît, c'est pour, parce que c'est de l'acier carbone, c'est pas de l'inox. Ça peut rouiller au contact de la sueur ou autre. Ah bah il faut que ça fasse mal quand même. Oui, mais par exemple, de cette épée-là, elle est très bien équilibrée. Celle-ci est très bien équilibrée, elle est super agréable. Ouais. Celle-ci, en fait, on peut sentir en fait, la différence. Tiens, elle n'est pas très équilibrée comparée à celle-là. Ouais. Celle-là, elle est vraiment très équilibrée. On peut faire presque tous les mouvements avec. C'est pas dérangeant. Mais donc là, c'est vraiment une arme de riche, en fait, l'épée. Ouais. Toutes les épées. Les épées, c'est des armes qui demandent déjà beaucoup de matériaux, beaucoup de fer, en fait, pour la fabrication. Et ça demande aussi un savoir-faire assez important. Tout forgeron ne savait pas forger une lame droite et résistante. C'est
c'était quand même quelque chose qui était donné à des forgerons expérimentés. Contrairement à la hache qui est beaucoup plus facile à faire. Donc on travaille quotidien. Au niveau des armures, on a la cotte de maille. Classique. C'est léger. Alors ça, c'est la cotte de maille viking. Non, mais non, pas 37 kilos. Densité 17, c'est ça on avoisine les 30 kilos ouais, avec tout l'équipement. Avec tout. Donc je vous laisse essayer de porter la cotte de maille. Ça pèse son poids. Hein. Ouais, carrément. Hein. C'est 15 kilos. Donc du coup, ça, c'est une cotte de maille en riveté alternée. La maille à riveté et alternée avec de la maille fermée. C'est-à-dire que là, vous voyez donc... Alors ouais, c'est là. Il y a une rangée ici, là, en dessous, qui est en anneau complètement fermé, plat. Et là, on a des anneaux qui sont fermés, rivetés. Ce qui permet un assemblage un peu plus rapide. Comme sur ce casque-là. Exactement. D'accord. C'est alterné. Oui, je crois qu'elle oui, ça protège aussi. Des coups, ça protège c'est ce pas mal, parce qu'en possible, plus, les mailles ne s'écartent vraiment, pas très facilement. Comme genre de maille. Mais ah oui, bah, ça pèse son poids. Hein. Bah après, quand tu fais sur la tête, on le sent moins, mais pour moi, ce casque-là est trop petit pour moi. Donc, il faut tirer fort avec la bonne flèche, mais c'est possible. C'est justement, mais c'est la maille, ça sauve vraiment bien. Quand on se prend des coups derrière la tête, c'est parfait. Ouais, ça protège très bien la maille. Alors ça, c'est un casque Garmin Bull. Donc, hop. Il a une seule différence avec l'original, c'est les protège-joues. Normalement, il n'y a pas des protège-joues, c'est encore des trous pour mettre de la cotte de maille. On n'a pas retrouvé la maille qui allait avec, mais comme cette cotte de maille-là a été retrouvée au même endroit, on suppose que c'était cette maille-là. D'accord. Voilà. Donc c'est le casque à lunettes. C'est le seul casque viking avec l'identité casque viking. Puisque c'est le seul qu'on ait retrouvé qui avait vraiment un style différent des autres. Le casque à lunettes, voilà. Donc, très souvent, ça la maille protège bien. Aussi loin. Ouais, alors ça, c'est des interprétations. Ouais, c'est des interprétations. Donc, mais le souci, c'est aussi. Qu'en fait, on a un trou sur l'original, sur la pièce archéologique, il y a un trou à cet endroit-là. On ne sait pas exactement si ce trou est destiné à mettre de la maille ou si ce trou s'est fait avec la corrosion, l'usure, tout simplement. Donc, on ne met pas trop de maille devant, on évite en général, mais normalement, on suppose que ça serait possible. D'ailleurs, pour moi, ça serait complètement cohérent. Remets-la. Attends, je vais le faire. Tu l'as trouvé où, Messire Adémar ? Tiens, regardez là. Pour moi, Adémar, c'est Lucas Adémar Bernardi. Voilà. Stop ! Touche à la tête pour Messire Adémar ! Vainqueur, Messire Adémar ! Vous avez plusieurs instruments ou non, vous n'avez pas que celui-là? Oh non, il y a tout. Ah, il y a tout un, tout ça. Tout un arsenal. Ouais, ouais. Ouais. Là-dedans. Ouais. On peut le voir sur la table. Bah, ici. Ah bah oui, ici. Ouais, oui, ici. Ça, ça va refaire une. Oui, c'est une sorte de canne aussi, ça. Ouais. Ouais, 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 y a tout de. Voilà. Ah, il ça, faut de. Ça, c'est en buis, c'est un bois très dense, très. Mm-hmm. Et ça, ce sont des rifloirs. J'appelle ça pique et main. Ouais. Ça vaut. Et j'essaie d'eau. Ça vaut 70 euros la pièce. Ah c'est bah. C'est ouais. Du professionnel. Enfin, c'est pour les sculpteurs. Mmh, mmh. Ça nous permet d'accéder au moindre recoin. Ouais, c'est sûr. Mais il a aucune machine, il n'a que les outils là pour faire. Bah, moi, je suis un manuel. Ouais. Ouais. Tout ce qui est là sur le stand, c'est lui qui. Ah bon, moi, c'est bien, vous vous ennuyez pas. Oui, ben, non, 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 ça. Bonjour. Ça m'arrive souvent d'avoir des commandes, mais les commandes, c'est plus difficile parce que
Ouais. Quand je vais en forêt, moi, quand je trouve un bois, en fonction de la forme, je dis tiens, je vais faire tel animal. Mmh. Quand c'est sur commande, j'ai pas le bois qui va forcément avec. Bah oui, commande, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Ouais, c'est sûr, bah il faut prendre. Ah, il y en a qui sont un peu teintés, plus ou moins, non? Oui. Ah oui, dans les bois, il y en a des. Il y a des bois aussi. Alors ça arrive à ce stade. La pyrogravure dessus aussi. Hein. Ah, ouais. Mais ça arrive à se teinter aussi tout naturellement, avec le temps, avec le temps. Fais cela. C'est bien, bien, bien. Bah oui. Vous voyez par ici, il y en a un en poirier. Ah ouais. C'est du poirier, puis le cœur est rouge. Oui, il est beau celui-là. Oui, oui, tout à fait. Ils n'ont jamais regardé de film, ces enfants-là. Vous avez jamais vu. Ah, vous n'avez pas de télé à la maison. Ils n'osent pas. Non, une télé, c'est quoi ça? Ah non, ça n'existe pas, si notre temps. Si c'était dans un autre contexte, ils oseraient. Il n'y a pas de télé à la médiévale. Oh bah non. Pas dans, pas ici. Moi, on va pas se blesser. Ça mange quoi? Un lapin par semaine, non? Comme ça mange Bruno. Ah ouais, ça moi. Mange quoi? Non, non, ça mange du Bruno. Un par mois. Pauvre petite bête. Enfin, le lapin. Lapin congelé. Bah, non, on en mange. On met pas du nez. Lui, il aurait pas le droit. J'allais dire, il y a un truc qui bouche. C'est sûr. C'est bon. Il en faut combien de lapins? 1, 2 ou 10? Sinon, c'est lapin 10. C'est sympa. Bon, c'est pas si ça rafraîchit. On va pouvoir t'appeler Régine avec son boa. On libère. Non, mais t'as fait un bocal. C'est bon. C'est bon. C'est une petite fille par jour. Si quelqu'un de Belos veut faire notre. Ouais. Ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Ah, les médiévaux sont courageux. Il me fait un câlin. Vous mettez pas la tête dans la bouche. Ça va courir. Oh, quelle bouche. Ah, il arrive, ça y est. Prends-lui une pelle. On appelle ça le bisou de la mort. Ça y est, c'est dans la boîte. Ouais. Ah, c'est bien. Parce qu'il est tellement grand et lourd qu'on a du mal à l'équilibrer. Non, 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 on le sert pas, on le laisse aller. Non, moi, il veut pas. J'en ai pris plein. C'est bon. Il a des abdos. Ah, attention. C'est fini déjà. Tu veux pas te refaire la photo, il est déjà parti. Ouais, il est déjà parti. Je parle beaucoup. Ouais. Il y en a un qui est pas là, le curé, là, qui a la voix cassée. Ah, Stéphane, là. Il est pas là, là ils sont. Non, ils sont pas. Ah, ils sont pas là, non. Peut-être partis ailleurs. Oui, bah, de temps en temps, il y a du changement aussi. Mm-hmm. Et là. On me plaint qu'on paye trop d'impôts. Ah, les impôts. La dîme pèse durement sur nous, pauvres paysans. Ah, les impôts. C'est bien fait. Merci. J'ai pas peur, tu mourras jamais. Que tu moi. Eh, pas mal. Ouais. Et on lâche. Oui, bravo. Et toi, sont truc comme ça. Ah, oui, c'est bien. Comme pour faire du skateboard. Repasser
le motif pour marquer sur le cuir. Là, le cuir est humidifié en fait. Et c'est ça qui va permettre de marquer. Donc une fois que ça c'est fait, et ben on va procéder à ce qu'on appelle l'incision. Donc là on va venir découper la fleur, ce qu'on appelle la fleur du cuir. Sur environ... C'est le marquer un peu plus. On incise carrément, on crée une fissure. Ah oui quand même. Pas complètement mais... Non, sinon, juste sur... voilà. Et c'est pas le but de le découper. Juste sur environ 1 mm de profondeur. On a l'armure Lamelaire. Et donc celle-là par contre, ne laisse pas passer les flèches. Elle est plus légère que la côte de maille. Ah ouais? Ouais, ouais, vous pouvez porter. J'aurais pensé qu'elle soit plus lourde que... Elle soit plus lourde. Alors, elle est pas plus lourde. Peut-être pas le même alliage, non? C'est pas le même, c'est de l'acier, et là c'est du laiton. Donc après, ça revient au même niveau poids. Mais... Sauf que là, il n'y a pas de manche et ça remonte moins haut. C'est pas complet, quoi, comme protection. Ouais, là, tu peux prendre un coup. Ouais, voilà. Donc, bah, c'est pas mal, ça. Ça protège quand même pas mal des coups. Ça reste un petit peu souple. Ça permet quand même de bouger un peu. Mais je préfère quand même la côte de maille. Pour bouger, c'est vraiment mieux quand même. Hein. On a beaucoup plus de marge de manœuvre. Avec ça, par contre, il y a un avantage qu'on n'a pas par rapport à la côte de maille, c'est les flèches. Ouais. Parce que les lamelles se superposent toutes les unes sur les autres. Ça arrête les flèches. Donc du coup les flèches ne passent pas à travers et c'est plutôt pratique, à moins vraiment d'un manque de bol où un lacet serait cassé ou une lamelle s'écarterait, mais bon là on tombe dans une... voilà. Ou s'il tire dans les bras ou là... Ouais. Donc voilà, ça c'est une armure par contre qui n'est pas viking à proprement parler. Elle a été retrouvée en Scandinavie, en Suède, à Birka, mais dans une tombe magyar, donc une tombe hongroise. Voilà. Minure, les dessins... À ton avis, à l'époque, ils savaient lire, écrire? Bah, c'était réservé qu'à certaines élites. Le clergé, logiquement, et la haute noblesse. Et encore, ils avaient leur propre système de codage, surtout pour gérer leur domaine. Voilà. Donc, enluminure. Pourquoi? Donc, du coup, ils savaient pas lire. Pour les textes saints, le peuple, pour le connaître, bah, qu'est-ce qu'il faisait? L'ancêtre de la BD, l'enluminure. Et pourquoi le terme enluminure? C'est mettre en lumière le texte, qu'il ne savait pas lire, donc, et aussi par la dorure. Ça apporte de la lumière. Voilà. Après, il y avait plusieurs types. Tu as... tout ce qui est texte saint, donc la Bible, ça c'est très codifié, les couleurs sont une certaine signification, les symboles c'est pareil, et après bah, t'avais quelques écrits autres, astrologie, pour les érudits. Voilà. Donc, comment je fais ma peinture? Toi à l'école, t'appuies sur un tube de peinture et ça sort. Ben moi j'utilise des pigments, c'est de la petite poudre. Donc, tu penses qu'avec juste la poudre ça va marcher? Faut rajouter quoi à ton avis dedans? De l'eau. Ouais, sauf que de l'eau et de la poudre, c'est comme avec de l'eau et de la farine, c'est grumeux. Ça va être difficile à étaler. Et ben, comme en cuisine, au Moyen-Âge, pour faire le lien, donc le lien pour que ça soit comme dans la peinture normale, et bien utiliser de l'œuf. Voilà, le parchemin. Après, il y a plusieurs types de parchemin. Le plus cher, le plus beau qu'on utilise surtout pour les textes saints, c'était le vélin. Donc en fait, c'est deux. Le vélin, c'est de la peau de veau mort-né. Parce qu'en fait, le veau mort-né, pourquoi c'est super rare et cher, c'est qu'il n'y avait aucune trace. Pas de blessure, de griffure ou quoi que ce soit, ou de tache sur la peau. Elle était parfaite. Donc c'est pour ça que c'était une des plus chères. D'où le nom de l'un, d'accord. Et voilà. Alors là, vous avez un type de peau. Vous pouvez toucher. Oh, c'est de la peau? Oui, c'est de la peau, c'est du parchemin.
La peau de vache. Ça doit être de quoi? Voilà, c'est la peau de vache. Mmh. Après, ils pouvaient aussi utiliser de la peau de lapin. Mmh. Ah, ils mangeaient des animaux, mais ils se réutilisaient tout. Ouais, tout rien, était pas réutilisé. Il n'y avait rien de perdu. Donc, le principe des enluminures, c'est ce que je veux dire. Donc, une fois qu'on a notre peinture, le principe, c'est on monte des couches. Alors, pour monter des couches de peinture, on commence très très dilué, comme de l'aquarelle. Et plus on monte en couches, plus on va concentrer la peinture. Donc, ça évite qu'elle craque et qu'on voit les traces de pinceau. Et après, on fait la dorure et la rehausse. La rehausse, c'est tous les petits détails. Donc, pour celui-là, il n'y a plus de 100 heures de travail. Et c'est vous qui l'avez fait? Oui. Ah ouais. Oui. Il n'y a plus de ça. Ah, c'est pas pris dans un livre? Non. Non. Pas pour vous, non, ça fait pas mal. Pour les autres, peut-être, mais. Ah, c'est le métier qui rentre. Ah oui, c'est oui. Ça rentre une fois. En général. Ou deux fois, ça dépend si on s'y prend mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ne le forcez pas, j'ai dit. Dans les pas de main. Il fallait regarder avant. J'ai pas de main. J'ai pas de main. Il a pas de main, c'est vrai, il a pas de main. Il a oublié ses mains. Bon alors si on remplit le... C'est-à-dire notre association, en fait on signe un pacte. Donc l'hiver, il y a tes 18 ans qui vient chanter leur thème. Ouais. Et tu deviens présidente des États-Unis. Moi, ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça veut dire d'avenir. De pression. Il a perdu un de ses bras au combat. Est-ce que quelqu'un lui donnerait un peu à boire? Monsieur, je vois que vous êtes une égosse. Vous avez eu un peu à boire? Ils ont dû se battre parce qu'il est en sueur. Ah, bravo. C'est comme ça qu'on récompense les valeureux héros. Tiens, on va voir ailleurs. 6 batailles, 3 estomacs. Il n'y a plus de bras. Monsieur, mon bon ami. Il faut un petit peu d'animation. Ça, c'est l'animation, toi. Non mais elle est jolie. Enfin, je dis ça dans le film, puis on va l'entendre. Elle est bonne. Ouais, il y a de l'aide. Le qui ça? Le monsieur quoi? Le costaud. Seigneur de Giza. Allez, allez. Oh les équipes, qu'est-ce que c'est bien équilibré aujourd'hui. C'est un truc de malade quoi. La dernière fois ça a duré 1h30. Hein. Ah bah voilà, un point pour cette équipe là-bas. Ouh. Deux. L'autre en bleu, il a triché. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais seigneur, un verre. Encore une fois. C'est lui qui a triché au premier? Oui. Vous l'avez eu? Non. Il m'a tué alors que j'ai rien fait. Il a donné le coup. Le gamin. Il a triché? Non. Seigneur, bah si, il va falloir faire quelque chose. Hein. Les enfants, écartez-vous, là, ça va saigner. Ah, une vraie bagarre. On va laisser les grands se battre. Le Seigneur Humbert va recevoir une correction. Ils sont bien protégés. Après, c'est quand même de la ferraille.
tête. C'est une chorégraphie, ils savent ce qu'ils vont faire. Deux épreuves, ça peut être ainsi, deux épreuves. 30 kg d'équipement, hein, environ. Avec la côte de maille, on fait 15. Les épées, environ 2. Ah ouais, le casque, environ 4. Plus la chaleur. Si un air est en très fâcheuse posture, Ouais, c'est le méchant, c'est le félon. Ouais, elle est finie, là, elle est morte, là, elle est tuée. Ah bah, le résultat est net, hein. On applaudit Sierra de Guerre, quand même. Hein. Et moi. Sierra de Guerre a encore une fois perdu. Oh hey. Ah. Ah, le félon. Que fait-il ? Bien joué. Il a poignardé. Voilà, il l'a mis dans le panier. Super. Peux-tu regarder ce cadran magique 10h55. Quelle heure 10h55. On va faire bien attention. Château Gaillard. Trois reproductions, très jolies. Là vous avez Louis, là vous avez le toucher, et là vous avez celle qui termine tout à l'heure. Les sièges aussi, bien fait. Il part. Bon, ben merci. Voilà. Après, ça marche aussi pour la case du milieu. S'il n'y a personne sur la case du milieu, que ce pion-là dégage et que celui-là reste là, hop. Et voilà. Donc, le but, bien sûr, n'est pas d'attraper tous les pions de l'autre. Le but est bien d'empêcher le roi, ou quand on est le roi, de rejoindre un des coins. Et quelqu'un prend l'attaque et quelqu'un et l'autre prend la défense. C'est ça. C'est donc tous les pions bleus sont à la même personne et tous les pions blancs. On peut bouger d'autant de cases qu'on veut tant qu'on ne fait pas de diagonale. T'as l'attaquant. Et on ne peut pas sauter les autres joueurs. Ouais, c'est sympa. C'est limité ou quoi? Ouais. Tant que un des deux joueurs n'a pas fait tomber les 5 filles, ça continue ou pas? Ah oui, je joue à deux. Encore une chance. Allez. Oh, l'autre, il s'en est pris un coup sur la main. Faut mettre des gants. Et Marc, vous avez eu mal? Vous avez senti, mais vous n'avez pas eu mal. Non. En fait, vous avez senti l'impact dans le lacet. Voilà la protection. D'accord. Mettez le doigt que là, sur le cuir. Ça coupe. Vas-y. Mais à demain, Ouais. C'est lourd. Regarde maman. Ah bah oui. Regarde-moi. Alors, c'est lourd ou pas? D'accord. Combien de kilos à votre avis? Je parle aux parents, Bon, 1 kilo. C'est ça, à peu près. Ouais, je sais pas. La cage du prisonnier. Alors, on y a laissé un os à croquer, à ronger. Et là, ici, c'est le coin des tortures. Les prisonniers attendent leur sœur. J'ai commencé à avoir chaud. C'est le bourreau des cœurs. Non, mais sinon, je peux... T'as pas trop chaud? Allez, non, c'est du feu. Non, Marc, si ça va pas, tu peux appeler avec ton portable. Hein. T'appelles la police, hein, t'appelles la police. Tu dis, il y a un monsieur, m'embête. Le bout
était carré en fait, hein, comme là, c'était carré, donc le carreau c'est plus ça, après il y a la flèche, puis il y a le trait. Le trait c'est plus à l'heure actuelle le trait pour les armes de compétition, des choses comme ça. Oui, il y a plein de choses, les armes. Puis on en met 10 ou 12, ça dépend de la hauteur du chargeur. Ouais. Par levier, on vient chercher la corde, on le trouve là. Ça fait une fois qu'elle est arrivée là. Ça fait un peu comme les agrafeuses. Ouais, on peut dire. Trop d'émotion. Comment fabriquer une côte de maille? Ça c'est des menottes ou pas? Oui. Ouais. Toi t'as des paniers trop petits, elles vont jamais fonctionner sur toi. Ouais, trop bien. Je peux me dessiner. Ça c'est des vraies menottes, mais de chevaliers. Mais qui pour la prisonnière. Au secours, je suis en prisonnier. C'est vrai. Allez, on continue la balade. Continue. Oh, c'est plus lourd que lui. Voilà, super. Bien, super. Bon, on met pas trop les doigts dessus. Bouge pas trop. Oh là là, un vrai soldat. Vous voulez essayer, vous les filles? Non. Ça marche aussi pour les filles, hein, pour les adultes aussi. Hein. On n'a pas de filles. On n'a pas de princesse, par contre. Hein. C'était la question ce matin. Ils prennent des déguisements. Allez, Jean-Loup. Oh, les deux épées. Allez, à départ. Vas-y, la part, on ne va pas la faire. Arrête de reculer! Tournez autour! Ah non, faut avancer. Frappe! Faut avancer. Frappe! Si tu t'es mort. Ici, son pied bloque plus ses épées. De toute façon, il faut avancer. C'est un peu mal, mais il faut y aller. Quoi. Il est mal, Jean-Luc. Moi, je veux bien y aller. Hein. Un combat! Pas de problème. Dernier échange. Change le bouclier. On y va. Il a deux épées. Waouh. Ouais, ça devient ici. Il part avec ici. Le public a-t-il préféré Jean-Loup ou Adémar? Jean-Loup. Ou Adémar? Jean-Loup. Ouais. Jean-Loup. Ouais, pour Jean-Loup. Jean-Loup vainqueur. Oui, c'est ce que je regardais. Non.
En tout cas, c'est... 3 touches à 2. Et un genou en moins. Bah, il a pas de protection, je trouve. Il est pas trop bien protégé. 3. Il aurait plus de genou, il serait à genoux, on peut le dire. Il serait au sol. J'aime pas le costume, ça fait ça. Ouais, ça aurait été mieux. Enfin, le corps aurait été. Il a 4 touches. Il aurait coûté 50. Enfin, il aurait coûté. Allez, les lits. Ouais. Ouah. Allez, allez. Oh là. Il a fait tout perdu. Ah, match nul pour l'instant. Il est déjà mort là-bas. Il a quand même gagné. Il est bien protégé, lui. Nous allons avoir un combat. Jean-Loup, les renards par la tête. La compagnie des Loups du Nord. Gagnant. Messire, salut le public. Il a déjà fait. Combattez. Douche pour ses roule foot. Un partout. Combattez. Douche pour tir. Jean-Loup. 2-1. Monsieur, combattez. Douche pour tir. Jean-Loup. 3-1. Touche pour tir. Jean-Loup, au niveau de la jambe. Combattez. Bien ou pas? Avantage. Touche aux forces. 2 à 3 pour tir. Comment ça y est? Hop! Touche à la tête de Sir Jean-Loup. 4 c'est sympa. Pour Sir Jean-Loup. 2 pour Sir Wolfgang. Combattez! Alors là. La tête coupée. Ah là, c'est mortel. Ça, ça vaut 3 points d'un coup. Ah, ouais, il est mort. Non, c'est sûr. Oui, aussi. Mais il y a aussi des haches de bataille. Ah, la présence, c'est pas mal, ça. Donc ça, c'est plus facile à faire qu'une épée. Mais c'est quand même réservé à des guerriers d'élite. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est les guerriers de la garde rapprochée. Donc, voilà. C'est des personnes, ça c'est une Daymax, c'est la hache danoise, on appelle ça. Et du coup, c'est des personnes qui vont pas être en première ligne, qui vont être derrière les premières lignes de boucliers en général, et qui vont en fait essayer d'aller derrière la première ligne de boucliers adverse, comme c'est une arme de longue portée, par-dessus, pour aller attraper ceux qui sont là-bas, et donc faire de la place à ceux qui sont juste devant. Voilà, donc ça c'est une très bonne arme, c'est très efficace, redoutable. C'est la mitrailleuse viking. Et donc c'est parfait pour le combat voilà, à longue distance, mais par contre quand on commence à se rapprocher, il y a moins de marge de manœuvre. Donc c'est vraiment une arme qui est réservée à ceux qui ne sont pas en première ligne. Quoi.
Après, bon, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Hein. Bon, on est en combat rapproché si on sait se débrouiller avec, mais ça reste compliqué. Ça reste vraiment. Faut la maîtriser. C'est ça, faut la maîtriser. Donc celle-là, elle est très légère, parce qu'elle est creuse, tout simplement. C'est bien aérodynamique, ça, c'est parfait. Manque un. Ça un petit pic au bout. De mettre des ça coups, fait une hallebarde après. Oui, mais ouais. Ouais. Après, ça fait la hallebarde après. C'est arrivé bien après. Ah, il y a aussi des lances. Relativement petit. Ouais, oui, c'est les lances. Bah, la lance aussi, c'est pas un objet très cher. On en trouve des fers de hache qui font carrément. Je rajoute avec mon doigt, voilà. Donc voilà pourquoi ça, c'est une arme qui est quand même réservée à des guerriers expérimentés. J'en ai porté une fois pendant 10 minutes, bah, je l'ai retiré tout de suite. Qu'est-ce que ça faisait? Ouais, 10 kilos. Je sais. 10 kilos, bah, elle était légère. Ouais, non, j'étais pas. La mienne, elle en fait 12 et elle est pas sympathique. Ah oui. Je vais la chercher. Martine, c'est sa femme. Alors, regardez bien. C'est cool. Le parcours, les enfants. On a pour 10 francs quand même. Hein. Et aussi président d'honneur de l'association Sauvegardons le Château d'Arc. Allez voir leur page Facebook et achetez les calendriers si vous le souhaitez. Ça finance les réparations du château, le magnifique château que vous voyez là-haut. Alors le parcours, les deux combats, les deux écuyers vont s'élancer. Il ne reste pas grand-chose. Donc là on l'a fait ralenti au début, mais elle chauffe. Sauter par-dessus la barricade. Venir toucher la main du seigneur de Nassy, très important. Passer devant moi. Se baisser pour éviter de se faire couper la tête par le sien Humbert Drigidor qui a déjà récupéré de sa blessure.
Et là, vous attaquez pour un deuxième tour. On vient toucher la main de Seigneur de la Scie. On baisse la tête surtout, attention très importante. Et voilà pour l'arrivée. En fait, je rigole, merci mais il y a des gamins Franck qui vont de ta tomber, participation. Mais c'est dur à sauter ça. Désolé pour le manque de personnel. À l'âge qu'ils ont. On va pas me prendre en... On va prendre ses billets. Bah oui, on va les prendre en train de s'habiller. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. C'est quoi ton déguisement à toi? T'en as un, non? Oui, les ceintures, c'est quoi? Ah, ce que tu vas le mettre maintenant. Bon, alors, je vais pas te filmer, je vais te filmer après, d'accord? Je vais revenir après. Ah, est-ce que vous pouvez vous retrouver? Alors, Nicolas, ah oui, Nicolas, eh ben, voilà, fixé. Fixe-la, tu vas voir. Est-ce qu'il y aura un miracle? Est-ce que le démon réussira à réparer le bras de mon compagnon? Non. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a joué. C'est le diable, c'est le diable. Attends! Prends ta main! Un miracle! Un miracle! Ah, elle a récupéré sa main! Par contre, les rhumatismes! Mon frère, tu peux revenir au champ de bataille avec moi! Il marche! Il marche! Il marche! Eh, on dit merci, par contre! On dit merci. Ah, il n'a qu'on plus de bras, mais lui, il n'a plus de bras du tout. On passe par-dessus la barricade. On vient toucher la main du Seigneur de la Scie. Le petit n'arrive pas à passer à côté. On se baisse pour éviter de se faire couper la tête. Il a passé à côté. Troisième tour. Oh, il va gagner, lui. Je serai bien une petite fille. Ah, c'est haut, quand même. C'est une petite fille. Allez, à la troisième tour. À la tour. Allez, elle a perdu son épée, là. Le drame. Elle a perdu son... Qui a perdu son... Ah, ça bouchonne. Et oh là la gamine a passé. Oh là là, le drame. Qui a perdu son épée? Oh, bah, c'est Arthur, il l'a... Je sais pas si Arthur l'aurait fait. Mais... Ah mais c'est bon, c'est bon. Il ouais, n'y a c'est pas fini, de danger qu'il leur coupe la tête. Ah bah finissez votre tour quand même. C'est bon, vous êtes chaud là. Oh, ils applaudissent bien fort. Il avait peur des grands méchants. Là. Vous pouvez mettre vos chevaux à l'écurie. Là. Oh viens chérie, t'as oublié tes gants. On arrive. Les mecs, ils sont super bien habillés. Je pense qu'en vrai, ils tiraient super loin. En vrai, ils tiraient loin que les flèches. C'était autre chose. Là, là-bas, c'est pas la distance. Ouf. Là, regarde, ils tirent en vrai. Hey, il l'a reçu dans le bouclier. Ouais. Puis moi je fume les gommes. Ouais. Moi je prends le vrai là, moi je suis mort. Heureusement qu'ils sont bien protégés. Parce que là les gars ils vont tirer en vrai. Regarde. Ça va, tu vois bien, bah, pour l'instant ils n'ont pas tué. Hein. Aucun mort pour l'instant. Tu peux rater battre. On est abusé, carrément. On les à partir du 14, il y a des gros de charbonnets à Bitcoin. Ah ouais. Eh, t'as les boucliers, ils servent. Ah ouais. Pour les intimider, à l'époque, ils faisaient ça, bande de poltrons. Là, les boucliers, les flèches, ouais, c'est clair. Là, les flèches, ils seraient restés dedans. Ah, mais ils faisaient des bruits comme ça avec les épées, sur les boucliers, pour intimider, pour faire peur à l'autre. Ouais, c'est bien. Ils avaient autant peur qu'eux. Je pense qu'ils avaient autant peur qu'eux, mais voilà. Bah, là, c'est pas... Non mais les gens, il y en a qui étaient shootés. Dans les guerres en général, on est shootés avant d'y aller. Il y a deux contre un mec, après une fois il est parti. Oh, il y a une femme qui est là-dedans. Là. Quand il en a touché un, là. C'est la femme des renards, ça, non? C'est la
Ah, ils ont tué le château. Coupé à l'épaule. Bon, alors qui a gagné je crois que c'est les croque-morts qui ont gagné surtout. Ceux qui vont ramasser les corps, ils ont gagné. À l'époque, ils coupaient les têtes et puis ils envoyaient au château à l'époque. Moi, j'ai lu le bouquin sur ça. Ah bon ? Ouais ! Bon, le château a gagné. Hein. Le château a gagné. Les gamins, la boya, regarde. Non, la mère m'a parlé, c'est marrant. Vous allez au Médiévarc ? Oui. Bien. Ah ben allez-y, là-bas il y a les Médiévarc. Ça manquait de chevaux justement.